Oh, y'a ma femme. Oh, y'a la bibouane. Merci, monsieur le maire, de nous recevoir chez vous, dans votre domicile, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Oui, monsieur le maire, c'est le deuxième mandat que vous allez briguer à la tête de cette mairie. C'est exact. Pouvez-vous me dire pourquoi cet acharnement à vous représenter? Monsieur le journaliste, je pense que je suis le seul berger capable de conduire mes brebis vers la terre promise. Après 4 ans, force est de constater que les populations attendent toujours et désespérément même la construction des locaux administratifs et de la mairie. Je sens qu'on vous a envoyé, monsieur le journaliste. Il est bien vrai que j'ai passé 4 ans déjà à la tête de cette commune, mais je ne suis pas resté les mains croisées. J'ai travaillé. J'ai organisé des séminaires d'imprégnation, des colloques, pour expliquer au peuple ce qu'on entend par une mairie. Et maintenant, nous avons déjà la maquette. Et à quand les constructions? Très probablement l'objet du deuxième mandat. Que mes populations voudront bien me confier une fois de plus. Qu'en est-il des puits et des forages que vous avez promis lors de votre campagne d'élection? C'est un problème qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'il faudrait que mes populations boivent de l'eau potable. Mais si actuellement je n'ai pas encore réalisé ce projet, c'est à cause de 2 raisons essentiellement. La première, c'est que, comme vous-même vous voyez, on est encore en pleine saison des pluies. Et donc les populations peuvent encore bien boire l'eau des pluies. Et la deuxième raison, c'est que j'ai passé un avis d'appel d'offres pour qu'une société me fournisse, n'est-ce pas, du matériel pour creuser, à savoir des pioches et des pelles. Si je comprends bien, ça veut dire que ce sont les populations qui vont travailler, qui vont mettre la main à la pâte pour pouvoir bénéficier de toutes ces promesses-là. Exactement, c'est même le développement participatif, c'est-à-dire mettre les peuples en amont et en aval du processus de développement, dont les populations elles-mêmes doivent être au centre de leur développement. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie une fois de plus.